Voilà, les Slovaques qui arrivent maintenant, donc Nada Dabusova et Yana Labatova sur ce duo. Des supporters slovaques dans le public, visiblement. Très belle première impression sur la poussée rétro. Exactement. Donc c'est tous ces lots, la musique. Donc c'est toujours des reprises, des violoncellistes. De la musique est vraiment important parce que ça porte le duo, même quand c'est un petit peu faible, le fait d'avoir une musique puissante, ça aide. Après, bien entendu, sur les duos et sur les ballets d'équipe, il faut qu'elle soit très, qu'on appelle communément dans notre langage, comptable, c'est-à-dire qu'elle ait un rythme facile à repérer. Et certaines musiques, comme par exemple West Side Story, je sais pas si vous êtes amusé à la compter, c'est une musique qui pourtant est assez reconnue et enfin, utilisée en synchro, elle est très compliquée à compter, donc c'est forcément plus difficile pour être synchronisé. Vous avez pu bien voir là avec les images sous-marines qu'avec les bras, elle se porte pour être haute, mais elle se déplace également. Donc il y a toujours deux mouvements. En un. Par contre, elles avancent bien aussi dans le bassin. Elles ont fait des belles diagonales pour aller voir les juges des deux côtés. Belle synchro aussi également. Rythme très soutenu, qui elles n'ont pas arrêté hein, du début à la fin, il n'y a pas eu une seule pause. Et je trouve que même jusqu'à la fin, là, elles ont bien gardé leur énergie. Les Slovaques, Nada Dabusova et Yana Labatova, qui ont donc participé à ce duo libre. Toujours en direct sur l'Open Makeup Forever, il est 13h30, vous êtes avec nous et c'est Virginie Dedieu qui vous commente ces duos libres. Elles avaient obtenu un total de 78,2. Alors, je ne les ai pas vues nager, moi, aux éliminatoires. Je n'ai pas vu les éliminatoires, donc je ne peux pas savoir si elles ont mieux nagé ou pas. Mais j'ai trouvé qu'ici, elles avaient bien nagé, en tout cas. Et effectivement, ça devrait être un petit peu supérieur à l'équipe de Grande-Bretagne, l'équipe précédente. Mais on va voir si ça va se battre avec les Biélorusses, après, apparemment. Ce qui, pour vous donner un exemple, laisserait quand même toujours nos deux sœurs Charlotte et Laura Tremble en tête. Si bien sûr, elles sont très swimmeuses, si elles avaient pris part à la compétition, elles seraient au-dessus. Voilà, la note de 79 pour les Slovaques. Donc, alors à égalité de points avec les Biélorusses, mais c'est elles qui prennent la tête. Alors, je précise, press swimmer, pardon, pour Charlotte et Laura Tremble.
En tout cas, elle serait en tête.